Bonsoir à tous et bienvenue au Cube ici pour cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Vous le savez, le Forum Changer d'air, c'est un temps fort à la Cité des sciences et de l'industrie chaque année. Cette année, vous l'avez bien noté dans vos tablettes, c'est le 12 juin, bien sûr, toute la journée. Mais vous vous tenez bien sûr au courant pour avoir toute la suite et puis le programme qui va commencer à être communiqué progressivement. Et le Forum Changer d'air, c'est toute l'année, ce sont des émissions, c'est un forum permanent. Et plus que des émissions, ce sont des débats empathiques. Alors après Philippe Dessertine, après Joël de Ronay, évidemment, après Laurence de Villers, après Gilles Babinet, François Taddeï, Nicolas Bouzou, pour ne citer que les plus récents. Cette fois-ci, Véronique Angélé-Fribert, la présidente et fondatrice du Forum Changer d'air, a proposé à Joël de Ronay de dialoguer un débat empathique avec Pascal Pic sur le thème « La mémoire est-elle l'avenir du passé ?» Alors Pascal Pic, vous le connaissez, mais Pascal Pic est paléo-anthropologue au Collège de France. Il est éthologue, spécialiste de l'évolution des hommes, des grands singes, des hommes politiques aussi, qui sont peut-être des grands singes et des hommes également, des entreprises et des sociétés aussi. Si vous n'avez pas lu ou découvert ces derniers ouvrages, il faut à tout prix foncer dessus. J'en note deux, Le Nouvel Âge de l'Humanité, les défis du post-humanisme expliqué à une lycéenne aux éditions Alary. C'est sorti en mai dernier, il faut vraiment vous le procurer. Et un autre livre aux éditions Odile Jacob, Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots? La question est posée. Je rappelle que le scientifique Joël de Ronay est le président de Biotix International, partenaire de cette émission, et conseiller de la présidence d'Univers Science. Il est le parrain du Forum Changer d'air. Et vous devez, ça c'est vraiment une injonction également, vous devez vous emparer, vous devez lire son dernier livre, La Symphonie du Vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, aux éditions des Liens qui libèrent. Ce débat empathique est proposé et a été préparé par Véronique Angélé-Fribert, à qui je cède le micro juste après le petit jingle. Bonsoir à tous, bonsoir Joël, bonsoir Pascal. Alors le thème donc, la mémoire, avenir du passé. Point d'interrogation. En résonance avec notre thème, j'aimerais quand même citer une phrase du psychiatre Carl Gustav Jung qui fait écho. Alors, moins nous comprenons ce que nos pères et aïeux ont cherché, moins nous nous comprenons nous-mêmes et nous contribuons à dépouiller l'individu de ses instincts et de ses racines, si bien qu'il devient particule dans la masse. Alors, quand on entre dans une nouvelle dimension de l'évolution de l'humanité comme aujourd'hui, comment la connaissance du passé peut nous aider à agir sur le monde qui vient. Joël, je vous laisse introduire ce thème et commencer à répondre, et puis Pascal réagira. Merci Véronique. Alors je rappelle à ceux qui assistent pour la première fois, soit sur Internet, soit ici, qu'on en avait un peu assez des débats télévisés controversés. Vous avez dit ça, lui il a dit le contraire, qu'est-ce que vous en pensez? En essayant d'être faussement objectif, c'est-à-dire en prenant des gens pour et des gens contre, en disant vous allez vous faire vous-même votre propre avis. Finalement, les gens n'y comprennent plus rien. Ils ont envie de gens qui les aident à comprendre la complexité du monde dans lequel on est, d'où l'invention de ces débats empathiques. Je ne vais pas poser des questions à Pascal, il ne va pas me poser des questions, je vais faire des commentaires, il va réagir à ces commentaires par un commentaire. On sera tous assez courts pour laisser la place à une véritable dialogue et pour pouvoir laisser la place aux questions ensuite de la salle ou les questions d'Internet. Donc c'est une formule nouvelle. C'est une formule qui marche bien à la fois pour nous, parce qu'elle est plus intéressante pour les débatteurs, parce qu'elle nous permet de nous exprimer en respect de l'autre. On connaît bien nos travaux, il connaît les miens, je connais les siens. Et donc, moi, je commence par un commentaire plutôt que de poser une question. Ce commentaire, il est fondé sur deux mots, anthropologie et anthropolitique. L'anthropologie ou la paléontologie, ce sont en quelque sorte des mémoires du futur. Parce que l'anthropologie, la paléontologie, grâce aux fossiles, qui sont en quelque sorte des liens réels dans un monde virtuel qui est le monde de la reconstitution du grand passé, sont des supports et des bases pour essayer de mieux comprendre où on va. Donc la paléontologie en étudiant l'homme, l'anthropologie en étudiant l'homme, les grands singes, nous permet peut-être aussi d'anticiper la société à venir en comparant comment les grands singes réagissent entre eux, notamment les mâles dominants dans une sorte de tribu qui exerce un pouvoir dominant sur d'autres. Est-ce que c'est transposable à l'homme? Est-ce que c'est transposable au management à la fois des entreprises, au management des sociétés complexes, et notamment au management politique? Ce sont des questions passionnantes qui sont dans les écrits et les travaux de Pascal. Alors justement, j'ai parlé de ce mot anthropolitique.
un mot que je dois à Edgar Morin, évidemment, qui l'a créé, et qui me permet de faire le lien entre paléontologie ou anthropologie et anthropolitique. Est-ce que l'anthropologie, en l'étude des grands singes, ou même du grand passé de l'homme, l'homme dit préhistorique, peut nous permettre de donner des arguments et des éléments à ceux qui sont censés nous aider à planifier notre propre vie, à planifier la société, en d'autres termes, les politiques. Ce terme d'anthropolitique est très fort, parce que ce que Edgar a voulu dire en l'utilisant, c'est que les politiques ne connaissent pas suffisamment l'homme pour faire de la politique. Ils devraient connaître comment fonctionne le cerveau, d'où l'importance des neurosciences, qu'elle en accorde de plus en plus d'importance maintenant, comprendre son comportement en société, son écosystème dans lequel il se trouve, comme les animaux ou les grands singes qu'étudie Pascal. Tout ça, ça manque aux politiques. D'où cette notion d'anthropolitique pour prédire le futur en se fondant notamment sur l'anthropologie, la connaissance de l'homme et la connaissance des racines profondes de l'homme. Donc, en ce sens, l'anthropologie sont des racines du futur. Et j'aime bien le thème de ce soir, la mémoire du futur, ou l'avenir du futur, mais je raccourcis en la mémoire du futur. La mémoire avenir du futur, la mémoire du futur, la paléontologie, l'anthropologie sont des mémoires du futur en étudiant le passé. Je pense qu'on a besoin de ces mémoires pour nous fonder nous-mêmes. D'abord nous comprendre et mieux comprendre où on va ensemble. D'où le rôle de la politique, de la gouvernance, c'est d'essayer de comprendre ce chemin que nous allons accomplir ensemble. Voilà un peu ce que je voulais dire en ouverture de ce dialogue avec Pascal. L'anthropolitique, c'est la base de la construction du futur. Donc cette mémoire du passé peut nous aider par l'anthropolitique à construire le futur. Pascal, je te laisse. Oui, alors moi, je ne peux que boire ces paroles avec bonheur, puisque dans les nombreux débats dans lesquels je suis, je m'aperçois d'une chose, c'est que l'anthropologie a été très longtemps écartée des questions de la modernité. L'idée de progrès, et même l'idéologie de progrès, est allée jusqu'à dire qu'il faut se débarrasser des contraintes du passé, de ces archaïsmes, de ces obscurantismes, dès qu'on parle de religion, et pour construire l'homme moderne. Et à partir de là, c'était une entreprise de destruction anthropologique, parce qu'il fallait détruire la mémoire qui empêchait de créer un projet moderne. Et le XXe siècle a été quand même assez riche avec les totalitarismes de droite comme de gauche, pour évidemment nous montrer que cela n'a jamais fonctionné. Et d'une certaine manière, c'est un anti-évolutionnisme. L'évolution, ce n'est pas éradiquer le passé. L'évolution, c'est comment, à partir d'un héritage, on est capable de reconstruire quelque chose comme un socle. Donc ce sont des fondations. Et c'est là que la paléoanthropologie est intéressante, parce que lorsqu'on parle de mémoire et qu'on parle de paléo-anthropologie, donc paléo-ancien, anthropos, l'homme et logos, toutes les disciplines qui s'intéressent aux origines et à l'évolution de la lignée humaine, eh bien, on pense bien sûr aux fossiles. Et il est vrai que depuis pas mal d'années, les avancées des connaissances, notamment la génétique, la paléolinguistique, enfin, tout ça nous a permis d'étoffer, comme on ne l'aurait pas imaginé il y a encore 30 ans, ce qu'a été le succès passé de la lignée humaine. Il y a eu une plus grande diversité qu'on n'a jamais imaginé, parce qu'on a toujours conçu l'homme comme l'aboutissement de l'évolution, les causes finales prévalant sur la réalité de ce qui a été le passé, et du coup, d'une certaine manière, on n'avait pas besoin de mémoire. C'est André Leroy Gourhan, qui est vraiment des très très grands préhistoriens, et qui est très utile aujourd'hui pour d'ailleurs comprendre l'impact des nouvelles technologies sur l'évolution de nos sociétés, parce que l'homme et l'outil, c'est une vieille question dans mon domaine. Donc je ne dis pas que le smartphone et le silex, c'est la même chose, mais ce sont les mêmes problématiques de changement dans la société, et les mêmes problématiques anthropologiques, ce qu'on avait négligé. Mais là, justement, André Leroy Gourhan, dans un livre absolument fondateur, que tous les théoriciens ou les commentateurs ou les analystes des changements technologiques actuels devraient lire. Eh bien, il dit, en fait, nous avions un schéma qui était déjà tellement préétabli de ce que devait être l'évolution de la ligne humaine que, manifestement, fossile ou pas, la voie était tracée. Et les fossiles, Lucie, Néandertal, Homo erectus, s'inscrivaient déjà dans un schéma préétabli. Donc, en fait, ces éléments de mémoire n'apportait pas de changement sur la manière dont on avait préconçu cela. Vous savez, c'est le schéma qui nous vient, alors Aristote n'y est pour rien, hein, mais le schéma qui nous vient à l'échelle naturelle des espèces d'Aristote avec l'individu qui se redresse. Et le débat de ce soir est fondamental parce que nous sommes peut-être en train de vivre
une rupture anthropologique de la mémoire dans l'ensemble de nos sociétés. Pas parce que arrivent et vont être adaptées d'une manière ou d'une autre aujourd'hui les nouvelles formes de procréation, plus ou moins assistées, qui posent des questions d'éthique. Mais néanmoins, je pense à un philosophe, et un philosophe qui aime l'anthropologie. Donc, ce n'est pas par déviance professionnelle, hein, soyons clairs, mais les philosophes qui s'intéressent à l'anthropologie sont assez rares. Michel Serres, par exemple, et Peter Sotocik, qui est un philosophe allemand. Et il a écrit un livre récemment qui s'appelle « Après nous, le déluge ». Et le sous-titre est « Quel sera le devenir de l'humanité avec la rupture générationnelle ?» Et là, on vit quelque chose d'assez troublant. D'une jeune génération, pas toute, mais la tendance s'est affirmée, qui, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis 2 millions d'années, je dis bien 2 millions d'années depuis qu'il y a les premiers hommes, depuis ce qui se pose la question « Qui sommes-nous ? C'est quoi le cosmos ?» dans toutes les sociétés humaines, depuis 2 millions d'années, à travers toutes les espèces, chaque garçon, chaque petite fille était inscrite dans une filiation, dans une parenté. Alors la parenté, ça veut dire qui sont vos parents, vos alliés, vos oncles, tantes, etc., pour prendre des termes de notre culture. Et la filiation, c'est la transmission des charges, des devoirs, du nom, de la position sociale. Voilà. Et aujourd'hui, on assiste à une rupture des deux. Parce que le débat qu'on a eu auparavant sur les nouvelles formes de mariage, qu'on soit d'accord ou pas, là, c'était sur la parenté, mais pas trop sur la filiation. Et là, maintenant, on va peut-être avoir une rupture des deux. Et ce qui veut dire, et je reprends l'expression de ce philosophe que j'apprécie beaucoup, il dit on a affaire à une partie de ces jeunes générations qui va à la recherche des ancêtres qu'ils estiment être ceux qu'il voudrait. Donc on a un retournement total. Donc on n'est plus dans la recherche d'une mémoire ou la contrainte d'une mémoire, on est dans une reconstruction totale, plus ou moins artificielle. D'ailleurs, un des enjeux actuels qui me trouble énormément sur le plan personnel, que des personnes aient été adoptées et qui, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, vont rechercher leurs géniteurs, qui sont complètement à la limite même de la parenté, mais qui ne sont pas du tout dans la filiation. Donc on assiste à ce phénomène-là, et il y a une réelle inquiétude d'un point de vue anthropologique, mais après tout, peut-être que déjà je suis dans un monde qui est en train de disparaître, et un autre monde en train de se mettre en place, mais dans le fait qu'on n'a pas besoin de mémoire pour construire l'avenir. Et ça me trouble énormément. Est-ce que ça va se faire ou pas? En tout cas, nous sommes déjà engagés dans une partie de ce processus d'une anthropologie et d'une politique qui, évidemment, sera radicalement différente par rapport à cela. Par rapport à la rupture dont tu parlais, effectivement, c'est passionnant à voir comment la continuité n'est pas toujours la continuité. La recherche du passé pour prédire le futur peut apporter des erreurs fondamentales. Mais il y a aussi quelque chose qui est lié à la mémoire, c'est l'oubli. Et quand on retrace l'évolution des hommes, l'évolution des grands singes par la paléoanthropologie, pour essayer de mieux construire le futur, où on va si on regarde le pouvoir, par exemple, l'oubli, qu'est-ce qu'il faudrait oublier et faire en sorte que ça ne se reproduise pas de la paléontologie ou de la paléoanthropologie à l'anthropolitique dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, est-ce qu'on le constate chez les grands singes? Est-ce que l'abus de pouvoir est quelque chose qui montre la domination de l'un sur l'autre et qu'on ne devrait pas justement reproduire? Donc si la mémoire, c'est aussi l'oubli, parce que si on n'oubliait pas, ce serait impossible de retenir tout. Donc l'oubli nous permet, l'oubli organisé, l'oubli structuré, nous permet de créer des liens en ce qu'on a déjà dans notre mémoire, plutôt que de continuer à accumuler cette infopollution ou cette infobésité dont on reçoit aujourd'hui dans le monde entier des quantités de bribes et des quantités de morceaux. Donc l'important, me semble-t-il, dans ce travail anthropologique, paléoanthropologique et anthropolitique, c'est le lien, la liaison. On parle beaucoup du lien humain, du lien social aujourd'hui. Est-ce que, je me pose la question, je ne te la pose pas, est-ce que déjà on sentait se dessiner dans l'étude des grands singes et dans l'étude de la dominance, du mâle dominant chez les grands singes, cette relation quand même de l'importance du lien social, de la tribu, ou tu l'appelles comment? Je ne sais pas que ça s'appelle chez les grands singes. On parle de communauté. De communauté, de communauté. Est-ce que dans cette communauté tient pas seulement par le pouvoir dominant de certains mâles dominants, mais tient aussi par le lien social de la communauté? Alors, les liens sociaux de la communauté sont extraordinairement importants, mais ça ne fait pas très longtemps qu'on étudie ces sociétés. Là, tout à l'heure, on parlait de mémoire, donc quand on parle de paléanthropologie, bien sûr, on pense aux fossiles.
Ça, c'est normal. Maintenant, il y a un autre aspect de la mémoire qui est dans ce que nous partageons avec les autres espèces. C'est-à-dire quand deux espèces sœurs, quelqu'un aujourd'hui entre nous, les Homo sapiens et les chimpanzés, si elles partagent des mêmes caractéristiques comportementales, cognitives, en type d'organisation sociale, d'éthologie, donc de comportement, nous considérons que ça vient de l'ancêtre commun. Et on trouve d'autres éléments comme ça, plus ou moins fragmentaires, ou exprimés de manière plus ou moins analogue, homologue. Alors je précise le titre, analogue, ça veut dire qu'ils ont trouvé une adaptation identique quasiment à la nôtre, mais par des processus qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Homologue, ça veut dire que ça vient vraiment du même ancêtre commun. Ça, c'est très important dans les théories de l'évolution. Et alors, lorsqu'on a commencé à regarder les systèmes de gouvernance chez les grands singes, là, c'est absolument étonnant, puisque notamment chez les chimpanzés, on peut trouver différents types de gouvernance. C'est assez surprenant. J'avais fait un film qui s'appelait « Durée fifi chez les chimpanzés », c'était exactement il y a 20 ans. Alors, je suis très heureux de le dire, parce que tout est parti sur les grands singes en France, il y a 20 ans, quand j'ai fait ces deux films. Je le cite parce que c'est une chaîne tout à fait honorable, c'est Arte. Voilà. Donc, c'était une très belle soirée, Théma. Et mon collègue très connu maintenant, France Zaval, qui a beaucoup travaillé sur la politique des chimpanzés, sur l'empathie, etc. Et il s'est fait connaître en France grâce à cela. Et il avait écrit un livre en 1982 qui s'appelait « La politique du chimpanzé ». Et moi, je me suis dit, tiens, je vais créer une fiction autour de ces chimpanzés, mais deux générations plus tard, au même endroit, donc en Hollande, aux eaux de Haarlem. Et là, coup de chance incroyable, parce que je ne leur ai pas donné le script à ces chimpanzés, ils ne savent pas lire, mais il me faut un coup d'État. Et qu'on a reconstitué, parce qu'évidemment, on avait toutes les données qui permettaient de voir que la chose était en train d'émerger. Et là, c'était quand même une découverte fascinante, parce que même France de Waal, même Yann Vandoeuf, qui était le patron de France de Waal, m'ont dit, t'as vu des choses qu'on n'avait pas vues. Alors, je ne suis pas meilleur éthologue qu'eux, surtout pas, mais j'avais une histoire à raconter, et surtout, j'avais un protocole d'observation qui était différent. Donc, c'est pour ça que j'ai vu des choses différentes. Maintenant, il y a une femelle là-dedans qui s'appelle Mama. Et Mama, en fait, depuis 30 ans, à l'époque, les mâles dominants passaient, mais sans son assentiment et son réseau, ne pouvaient pas être les leaders. Et s'ils perdaient le soutien de Mama, ils perdaient le pouvoir. Donc tout ça a été parfaitement négocié. Et puis on avait qui n'avait rien à faire du pouvoir, qui ne rentrait pas dans les intrigues. Et parmi les personnages que je connaissais, décrits par France de Waal et ceux que j'ai découverts par la suite, on avait toute la panoplie. Il y avait les mâles dominants magnanimes qui opéraient un pouvoir très pondéré, qui savaient, tout en ménageant leur réseau évidemment et leur soutien, veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'injustice ou d'inégalité, etc. Puis il y en avait qui étaient franchement des fourbes, il y en avait aussi qui étaient franchement des tyrans. Donc on a toute la panoplie, et moi je me suis amusé, enfin en tout cas c'est un travail de recherche quand même, mais à regarder un petit peu les personnages dans Le Prince de Machiavel. Et en fait, on a à peu près tous les types de typologies. La leçon qu'on peut tirer chez ces grands singes, c'est qu'effectivement il n'y a pas de fatalité au totalitarisme, et qu'il y a toujours à un moment ou à un autre un contre-pouvoir. Chez les fameux chimpanzés étudiés par Jane Goodall, alors on est maintenant à la cinquième génération, c'est important parce que cinq générations, la sixième arrive, ça veut dire que nous avons une histoire de chimpanzés. Nous avons une histoire de société de chimpanzés. C'est unique, on a ça nulle part ailleurs dans les autres espèces. Donc on a du recul. Et c'est très intéressant de constater qu'un jour, il y avait un film avec Jane Goodall. Et là, un mâle dominant était un mâle bien accepté, qui exerçait une bonne gouvernance, exerçait bien son pouvoir. Et puis, le journaliste se pose la question, quel sera le prochain mâle dominant? Et elle dit, je crains que ce soit Gobo. C'est le nom de ce chimpanzé mâle. C'était le numéro 2, le demi-frère du mâle numéro 1. Sauf qu'il était, lui, installé dans une légitimité, une espèce de descendance de clans de pouvoir, comme on en connaît chez nous. Mais en plus de ça, elle était douée d'une force physique absolument unique. Donc, c'était un vrai salaud, parce qu'il avait la légitimité du groupe, qui est un groupe dominant. Donc, dès son plus jeune âge, il était habitué à se comporter comme quelqu'un qui appartient à un clan dominant. Mais c'est pareil chez nous, bien évidemment. Mais en plus de ça, comme il avait une force physique qui était absolument étonnante, il ne négociait pas du tout. Eh bien, un jour, les mâles se sont coalisés, ça a été compliqué, hein, et ils l'ont éliminé. Donc, il y a des formes de contre-pouvoir.
Et il y a des formes aussi de démocratie chez les singes et les grands singes. Ce sont les manières de prendre des décisions collectives. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte assez compliqué de changement de société et on voit bien que nous recherchons des formes de gouvernance dans tous les pays du monde et la France est au cœur de cela, bien évidemment. Et la question aujourd'hui de savoir quelles pourraient être les formes de décision collective, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, dans un cadre démocratique qui fasse le consensus de la société, eh bien, c'est exactement cette question qui se pose. Alors, je ne dis pas que les babouins ont la solution, je ne dis pas que les bonobos ont la solution. Pour les bonobos, par exemple, c'est des stratégies, comment les femelles peuvent acquérir du pouvoir et le maintenir. Il y a des stratégies qui existent aussi chez ces singes qui sont aussi très proches de nous. Les bonobos, c'est des autres chimpanzés. Donc, ne tombons pas dans ce qu'on appelle l'erreur du naturaliste en disant « Ah, mais les chimpanzés font ça, les macaques font ça, les singes capucins font ça. » Non, mais c'est de se dire quelles sont les situations qui font que nous pouvons nous instruire, sans le langage d'ailleurs, c'est intéressant, de formes de gouvernance et de décisions collectives qui bénéficient à l'ensemble du groupe, ou qu'est-ce qui fait que, malgré cela, un groupe peut être soumis à la dominance tyrannique de quelques mâles dominants ou parfois des femelles. Voilà, alors, c'est là que c'est intéressant de comparer. Justement, en parlant des mâles dominants et en reprenant Machiavel, Machiavel avait cette phrase terrible disant « Le prince ne doit pas être aimé, il doit être craint, il doit faire peur. » Et la bienveillance, c'est bien en politique, mais on voit vers quoi ça va dans un monde de dur, comme exact. Le monde d'aujourd'hui, par exemple. Ce n'est pas la peine de citer Poutine, Erdogan, Trump et d'autres. Notre président bienveillant, est-ce que la bienveillance a sa place dans un monde de mal dominant? Et c'est une question qui m'intrigue et qui me passionne, moi, fondamentalement, parce que est-ce que le mâle dominant doit faire peur? Est-ce que le mâle dominant doit faire peur? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que la dominance peut se fonder sur des postures que l'on retrouve chez les grands singes, que l'on retrouve chez les managers, chez les humains ou chez les politiques? Est-ce que ces postures suffisent pour démontrer sa dominance? Ou est-ce qu'en plus de ça, on doit avoir la peur? Et est-ce que la dominance peut ou doit se fonder sur la peur? Machiavel n'avait pas tort quand il disait ça. Et je voudrais savoir si dans les postures politiques, ceux qui font peur sont plus dominants que ceux qui sont bienveillants. Alors, ça, c'est la grande difficulté. Je pense à un article que j'ai lu récemment comparant M. Macron et Astérix. Et dans cette analyse, qui est assez intéressante d'ailleurs, c'est Astérix, c'est le héros, il est sympathique et tout le monde l'aime bien, mais il n'a pas le pouvoir. Donc, à partir de là, il peut garder l'intégrité du héros, engagé, empathique, amical, etc. Et c'est cette bascule entre la bienveillance et le pouvoir. Le cas de Nicolas Hulot est assez intéressant aussi à cet égard, parce qu'il a beaucoup apporté dans la prise de conscience avec beaucoup d'autres personnes sur les enjeux de l'écologie. Et on voit bien que c'est posé la question, au bout d'un moment, d'exercer le pouvoir d'un ministre et de rester dans la bienveillance. Et on voit bien qu'à partir de là, les opinions change assez vite, en tout cas la proportion des gens qui adhèrent à la personne. Et M. Macron, effectivement, c'est assez compliqué, puisque aujourd'hui, exercer le pouvoir, c'est aussi prendre des décisions et c'est mettre en place des compromis, et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et aujourd'hui, la question de la crainte, oui, c'est compliqué, cette question-là. C'est-à-dire que on pourrait se poser la question, au vu des événements actuels, de savoir que jusqu'où aller dans l'expression d'une certaine forme de violence ou autre. Dans l'écoute en parallèle. Et voilà, absolument. Dans la compréhension et la bienveillance. Mais je crois qu'en effet, toutes les sociétés humaines ont besoin, que ce soit homme ou femme, je crois qu'il faut un petit peu mettre de côté l'histoire du mâle dominant, parce que ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui a beaucoup marqué l'éthologie à un moment donné, mais on s'aperçoit que ces mâles dominants, quand même, sont obligés de faire des consensus, et quand ils le sont trop, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça se passe très mal avec eux. On a des exemples aussi chez les babouins. Les femelles babouins sont très attentives au fait qu'elles ne veulent pas de mâles qui rentrent dans leur troupe, qui soient trop agressifs. Et donc, elles exercent une vraie sélection sur leur comportement. Mais il arrive parfois que des mâles arrivent à se coaliser. Et là, en général, elles vont attendre un petit peu et elles vont dire une stratégie qui va faire qu'au bout d'un moment, elles vont s'en débarrasser. Donc, d'une manière générale, exercer une forme de gouvernance que par la crainte haute, ça se finit toujours mal. Maintenant, est-ce qu'un groupe social peut exister sans qu'il y ait une figure
tutélaire du pouvoir que l'on peut, à la fois quand on a peu, que l'on peut respecter et à laquelle on peut se recommander. Et c'est ça la combinaison extrêmement complexe du leadership. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut que le ou la leader soit aussi celui qui dit « on a pris cette décision, vous respectez pas la règle commune, il y aura des sanctions ». Donc c'est maintenant l'exercice de la sanction, quelle est l'ampleur de sa légitimité par rapport à la gouvernance et aux forces et aux entités qui le soutiennent. Comme la verticalité de la religion et du Vatican, c'est la peur de la punition finalement. Donc on peut se demander si on peut avoir une dominance sans peur, une dominance avec un pouvoir qui n'est pas pyramidal, mais un pouvoir latéral. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la décision collective et surtout sur la mesure collective des décisions collectives qui ont été prises, qui est un des plus grands enjeux du monde moderne. C'est la décision collective par rapport à la décision pyramidale est fondamentale, mais surtout de mesurer les effets d'une décision collective d'une manière collective. Et ça, on n'a pas les outils pour le faire. Les outils numériques des réseaux sociaux sont une voie peut-être progressivement, mais le référendum, le sondage, les opinions, les politiques ne suffisent plus. On sent qu'on est à l'aube de cette possibilité, que le numérique et l'écosystème numérique dans lequel on vit pourraient y aider, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Et donc, je me demande si dans les postures des animaux dont on parle, les grands singes, et le rôle des femelles, est-ce qu'il y a une complémentarité entre le dominant, mâle dominant, et ce que tu disais tout à l'heure sur la liaison différente qu'introduisent les femelles par rapport à un mâle trop dominant, justement. Est-ce que, sans faire d'analogie entre les relations entre les hommes analytiques et les chercheurs dominants de pouvoir et les femmes qui ont une vision plus globale et plus systémique, tient ou tient pas du tout ? Non, elle est plus nuancée. Elle est beaucoup plus nuancée que cela. Parce qu'effectivement, on a tendance à exagérer les traits. Mais, par exemple, Mama, que j'étais tout à l'heure, quand Mama est morte, elle a été tellement connue en Hollande par le public hollandais, puisque c'est toute une histoire aussi, ça a duré 40 ans, 50 ans, cette affaire-là. Eh bien, lorsqu'elle est morte, je ne dirais pas que c'était un deuil national, mais quand même. Mais elle avait un problème. Et je vous raconte cette histoire parce qu'elle est quand même assez extraordinaire. Lorsqu'ils ont décidé, en 1973-74, de mettre en place une communauté de chimpanzés dans un parc zoologique, où là, on peut tous les observer. Parce que le problème dans la nature, c'est qu'ils sont sur de très grands territoires et ils fonctionnent par fusion-fission. Ils peuvent se rassembler pour des raisons sociales ou amicales ou politiques et se disperser pour des raisons d'aller chercher des nourritures ou simplement partir tranquillement dans son coin, etc. Donc, on ne peut pas mettre 50 chercheurs avec 50 chimpanzés, c'est absolument impossible. Donc là, on s'est dit, on va faire une observation où on va mesurer régulièrement qui est avec qui fait quoi, voilà. Et là, ils amènent des femelles chimpanzés de différents parcs zoologiques avec cette idée, les mâles sont tellement dominants qu'on va mettre les femelles d'abord, parce que si on met les dominants d'abord dans un enclos, quand les dominés arrivent, ils se sont cassés la figure. Donc, de base, les femelles dominées. On met les femelles, sauf que Mama et les autres, c'était des vieilles copines du zoo de Berlin, du zoo de Londres, etc. Et donc, elles se retrouvent, elles sont super contentes. Et là, on introduit les mâles. Et là, les femelles se disent, on va pas leur laisser une chance à ces gars-là. Et les femelles se divisent en trois groupes pour leur casser la figure. Et là, les trois mâles, les dominants, ils montent dans un arbre et ils attendent qu'on vienne les chercher. Monsieur le directeur du zoo, venez nous voir, parce que là, on n'est vraiment pas bien. Donc, ils sont obligés de sortir les femelles. Les mâles descendent de l'arbre, ils comprennent immédiatement qu'ils ont intérêt à se coaliser. Donc, ils relâchent les femelles, Mama en tête fonce, pensant être suivi par les femelles pour casser la figure au mâle. Et là, ce coup, elle se retourne, plus personne ne la suit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Mama était aussi une petite tyranne. Elle était tyrannique. Et les femelles, c'est ce qu'on appelle le Léviathan. C'est-à-dire, les femelles ont accepté le pouvoir des mâles pour avoir une meilleure régulation de la violence et éviter. En tout cas en espérant, ce n'était pas garanti bien évidemment, qu'il y ait moins d'agressivité, parce qu'elle envoyait plus de ses consoeurs ou de ses copines là également à l'hôpital. Donc on a aussi des femelles qui sont très douées pour le pouvoir, pour la coalition, et qui peuvent être assez violentes. Donc c'est marrant parce que dans ce livre qui va prendre le pouvoir, je rappelle toutes ces anecdotes, et vraiment toute la littérature de la philosophie, Machiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., on les retrouve d'une façon beaucoup plus élargie, alors que l'on croyait que c'était que dans la lignée humaine. Et en ce qui concerne le pouvoir des femelles, et ça c'est important ce que vous dites, parce que là également, on confond des fois l'expression symbolique du pouvoir avec la réalité du pouvoir. Et j'en ai des gens au zoo d'Arnhem, ils disaient, le mâle dominant c'est celui-là. Pas de chance, c'était le numéro 2.
Parce que le vrai dominant, lui, était vraiment tranquille. Mais par contre, quand il bougeait, tout le monde le savait. Hein. L'autre, c'était l'agité qui voulait être vizir à la place du vizir. Quoi. Donc, en pensant qu'il était dominant, parce qu'il embêtait tout le monde. Et moi, j'ai vu aussi ce numéro 2, qui était quand même un mal très puissant, faire un abus de pouvoir. Parce que vous avez évoqué le sujet, Joël. Et là, à un moment, le groupe s'est coalisé. Et là, tout numéro 2 qu'il était, parce que le numéro 1 allait se faire, évidemment, lui, ça l'arrangeait, il est parti dans son arbre. Et je peux vous dire que, pardonnez-moi pour l'expression, mais il a vraiment fait dans sa culotte, quoi, qu'il n'avait pas. Non, mais il a eu vraiment très peur. Donc, le groupe est capable de réagir. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit bien dans les entreprises, vous avez cité les entreprises, Joël, on voit bien qu'on est dans un monde où il faut rechercher de nouvelles formes d'innovation à travers de nouvelles formes de participation, ce qu'on appelle... Tout le terme générique est à la mode, les méthodes agiles ou le design thinking. Et ça, les chimpanzés nous apportent des leçons. Pas tous les groupes, hein, parce que ce n'est pas systématique. Hein, c'est vraiment, on a vu qu'il y avait différentes typologies et différents types d'individus. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est même si on est le dirigeant d'une entreprise, on n'est plus totipotent. C'est absolument impossible. Il y a tellement de compétences dans l'entreprise et même entre les deux entreprises. Et sur le net, que personne ne peut prétendre aujourd'hui d'être comme on a connu, à une époque, le capitaine d'industrie qui maîtrisait tout du haut en bas, qui ont fait beaucoup de choses absolument remarquables. On est bien là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le modèle, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il faut innover. Et à partir de là, ça veut dire que sur un sujet, d'abord, on peut être attentif à des idées que peuvent apporter les collaborateurs et les collaboratrices à tous les niveaux de l'entreprise, et ça, c'est très darwinien. Parce que Darwin nous dit que chaque individu est porteur de potentialité d'innovation. Donc, la variation. Mais la variation, c'est bien, mais si on ne la capte pas, ça ne sert pas à grand-chose. Et là, ça veut dire qu'on se met sous une forme de management de groupe pour l'innovation, ou même si je suis le numéro 1, le numéro 2, j'accepterai qu'une telle ou un tel, quel que soit son niveau hiérarchique, soit le leader d'un projet, parce que cette personne est plus compétente et reconnue, d'ailleurs, par l'ensemble des individus qui vont participer. Et avoir cette intelligence de se dire que si je ne suis pas le leader sur cette partie de l'activité de mon entreprise, ça n'empêche pas que je suis quand même le dirigeant de l'entreprise. Et c'est ça les nouvelles formes de gouvernance qui arrivent. Et certains groupes de chimpanzés sont vraiment très forts sur ce genre de choses. Alors ça se démontre aussi que l'innovation n'est pas construite, elle émerge. Et celui qui fait émerger l'innovation, c'est un catalyseur. C'est la différence entre un catalyseur et un dominant qui domine de manière pyramidale et qui exerce son pouvoir sur les autres. Donc l'innovation, elle est produite par émergence catalytique. Et c'est le nouveau rôle du manager. Alors on arrive à une question moi, qui me fascine aussi dans ce contexte-là, c'est la mémoire collective. Et puisqu'on parle de mémoire pour construire le futur, nous avons aujourd'hui, avec les réseaux et l'écosystème numérique dans lequel on vit, une mémoire collective qui s'appelle Google ou qui s'appelle DuckDuck.com, qui est le Google de Google, qui est le moteur de recherche de tous les moteurs de recherche. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette mémoire collective à laquelle on a accès pour n'importe quoi, à tout instant avec nos smartphones, n'est pas en train de détruire le fondement même de notre mémoire ? C'est-à-dire la mémoire qu'on avait par survie, la mémoire que l'on a par réaction à quelque chose, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'émousser ? C'est une question que je me pose, ce n'est pas une question que je vous pose. C'est une question que je me pose. Est-ce que, puisque le thème, un des thèmes, c'est la mémoire du passé pour construire le futur, est-ce que justement cet accès instantané à la mémoire... Ah oui, je n'ai pas cette date, je vais le chercher tout de suite sur Internet. On se rappelait des numéros de téléphone quand on avait des téléphones fixes. Bon, maintenant, on clique sur un nom et automatiquement, il fait le numéro. Donc, est-ce que ce n'est pas un problème, comme on parle de construire par la mémoire du passé notre futur, d'avoir une mémoire émoussée qui, en étant partagée, n'est plus la mémoire fondamentale sur des sujets essentiels dans lesquels il y a à la fois l'émotion, le rappel, de la réminiscence, en même temps l'empathie de la relation qu'on a créée et que cette mémoire a créé chez nous et dont on se souvient parce que l'émotion y est associée. Est-ce que cette mémoire numérique, justement, moi je me pose la question, je ne sais pas si tu as une réponse en comparaison avec la paléontologie et avec l'étude des grands singes, n'est pas en train de nous échapper, de nous glisser entre les doigts ? Ce qui est très ennuyeux, c'est certaines formes d'incompréhension par rapport au fonctionnement de notre cerveau. Il y a cette idée que si on extériorise cet exercice de mémoire qu'a connu notre génération par l'école, on mémorisait les choses, les textes, les dates, les événements historiques, les poèmes, voilà, on ne fait plus trop ça. Et on se dit, ah ben, y aura plus de place de disponible pour les autres parties du cerveau. Et ça, c'est une erreur. Le cerveau, ce n'est pas un jeu de Lego, et ce n'est pas on en enlève un, on en met un autre. Tout ça est intégré.
Un archéologue célèbre avait parlé de la révolution néolithique, donc l'invention des agricultures, et il avait parlé de mémoire graphique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau n'a pas changé depuis l'homme de Cro-Magnon. Et ce qui est incroyable, c'est que cette machine-là, qui pour l'instant est complètement inégalée, même par les intelligences artificielles les plus extraordinaires. Moi, j'aime à rappeler, pour beaucoup de personnes qui nous écoutent d'ailleurs, pour ma génération, moi je suis passé du néolithique, mes parents étaient agriculteurs, aujourd'hui c'est une intelligence artificielle, et c'est le même cerveau. C'est incroyable cette machine quand même. Et semble-t-il, je pense à Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, très grande connaissance de la mémoire, des textes, hein, on se souvient d'été avec Montaigne, où dit, les gens de l'après-guerre sont passés de la mémoire graphique qu'ils ont gardée avec les autres formes de mémoire, qui sont avec d'autres supports, audiovisuels, maintenant numériques, de l'accès à la connaissance et de notre façon de travailler, de réfléchir et d'agir dans la société. C'est exceptionnel. Maintenant, on n'a pas assez de recul, mais il est très clair que les jeunes qui sont rentrés directement, notamment ce qu'on appelle les millennials, bah, lui, c'était avec le web 2.0, mais maintenant, on a les Tibili, les To Be Determined, ceux qui sont nés avec le smartphone. Comment leur cerveau, avec cette plasticité extraordinaire, va s'adapter à ces nouvelles formes de mémoire. Pour l'instant, on n'a pas de recul. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. On ne va pas perdre ces capacités, puisque le fait que le même cerveau, depuis Cro-Magnon, est passé quand même de l'art pictural, Lascaux, Chauvet, aujourd'hui, aux nouvelles formes de créativité, on est au cube quand même de créativité numérique, ne m'inquiète pas trop. Ce qui m'inquiète plus, c'est justement un petit peu ce qu'on disait au début de ces échanges, c'est les causes immédiates. Cette idée, ça c'est aussi l'éthologie qu'il apporte, c'est Nicolas Tinbergen, un très grand éthologue, qui avait été nobélisé, avec Carl von Friens et Corinne Lorenz, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à de plus en plus ce qu'on appelle le behaviorisme numérique, c'est-à-dire des personnes qui sont dans les sollicitations immédiates, qui répondent immédiatement, qui n'ont pas tant du recul, de laisser sédimenter un petit peu les connaissances ou autres. Ça m'inquiète énormément parce que ça serait une rupture à ce que sont des sociétés de grands singes ou même d'autres espèces, comme les éléphants. On les appelle, ces espèces, les espèces K. Alors, c'est une coefficient d'équation, je ne vous embête pas avec ça, puis j'ai oublié l'équation. Donc, mais qu'importe. C'est un gros travail d'il y a une quarantaine d'années qui montre, en étant un peu grossier, qu'il y a deux types d'espèces. Les espèces qui ont des stratégies de reproduction extrêmement rapides, comme les rongeurs. Si l'environnement va bien, on se reproduit à toute vitesse, il y a très peu d'éducation. Et là, donc, ce sont des portées nombreuses, ils naissent très immatures, ils grandissent très vite. Et puis quand ça ne va pas, paf, sélection drastique. Donc ce ne sont pas des espèces qui ont le temps d'apprendre. Par contre, nous, on appartient à un groupe d'espèces qu'on appelle les espèces K, où là, les femelles mettent un seul petit au monde après une longue gestation. Le sevrage arrive après 3, 4 ou 5 ans. Et derrière, il y a une enfance, une adolescence et une espérance de vie de 50 à 100 ans. C'est les éléphants, les baleines, certains dauphins, les grands singes et les hommes, les autres singes en partie. Donc nous sommes des espèces qui ne peuvent pas survivre sans la mémoire du passé. Ce sont des espèces qui ont des cultures. Leurs comportements ne sont pas dictés par des gènes. Ils sont contraints, évidemment. Un éléphant ne se comporte pas comme un singe, c'est une évidence. Mais néanmoins, des espèces comme celle-ci, qui doivent vivre plusieurs dizaines d'années, sont des espèces qui sont constamment dans l'adaptabilité, constamment confrontées à de nouvelles situations, parce qu'elles modifient l'environnement dans lequel elles évoluent, bien évidemment, mais qui ne pourraient pas le faire non plus sans s'inscrire dans des savoir-faire, qui ont des neurones miroirs d'ailleurs, qui, par l'imitation, l'apprentissage. Et donc, ce qui me trouble aujourd'hui, je pense, je ne sais pas ce que dira cette jeune génération dans 20 ans de ce dialogue que nous avons eu, en disant, mais ces gars-là, ils étaient quand même, ils parlaient de Cro-Magnon, mais ils y étaient encore, quoi. mais très sérieusement, ils ont une autre façon de faire les choses. Aujourd'hui, pour vos travaux, Joël, pour les miens, on est une période quand même assez incroyable. Il suffit d'aller sur un réseau et on a les connaissances immédiates. Mais nous avons hérité... souvent des réponses aux questions qu'on pose au réseau. Au réseau. Mais nous avons la capacité d'aller vérifier les données. On connaît les publications. Nous avons cet avantage de pouvoir capter toutes les connaissances possibles dont nous avions besoin, ou même celles qui nous surprennent. Et nous avons encore une épistémologie, une façon de construire le savoir. Est-ce que cette façon de construire le savoir qu'on a hérité de la raison graphique par la lecture et qui a évolué à travers le cinéma
sera celle qui sera nécessaire pour les générations futures. Auront-elles besoin de cette mémoire ou d'autres formes de mémoire que nous ignorons encore? La question reste complètement ouverte, de mon point de vue en tout cas. Alors, elle est posée. Je pense aussi qu'il faut prendre en compte l'environnement. L'environnement immédiat, l'écosystème dans lequel on vit, comme engrammé, permettant de mieux engrammer la mémoire. Je prends souvent l'exemple des fourmis qui trouvent le chemin le plus court pour aller chercher de la nourriture et la ramener à la fourmilière. C'est parce qu'elles laissent une goutte de phéromone qui est une forme de mémoire et que l'environnement garde cette odeur pendant un certain temps, ce qui leur permet de choisir d'aller le chemin le plus court qui sent le plus fort, puisque c'est là où il y a l'embouteillage. Donc l'environnement joue un rôle fondamental. D'ailleurs, nous, toi aussi, sans doute, on le fait tous quand on fait un discours. C'est notre mémoire, ma mémoire, je m'en souviens par un cheminement. C'est-à-dire, je ne me souviens pas que des mots, je me souviens de la relation que je mets entre des mots par un parcours que je me suis inventé qui me permet de garder la mémoire de ce que je veux dire. Comme maintenant, par exemple. Donc, je n'ai pas une phrase toute faite, mais j'ai des repères. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger le fait de l'écosystème dans lequel on vit pour garder une mémoire. Alors là, on va vers la mémoire collective, dont je parlais tout à l'heure avec les moteurs de recherche. Chez les grands singes, il existe certainement aussi des repères environnementaux qui leur permettent de pouvoir exercer une mémoire collective et démontrer aux autres une mémoire collective grâce à des repères dans leur environnement, leur environnement immédiat. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'animaux marquent leur environnement pour donner la mémoire aux autres que c'est à eux. Est-ce que les singes ont cette possibilité de marquer leur environnement pour montrer que c'est un environnement propriétaire et qu'on ne peut pas y rentrer sans se faire combattre? Oh là oui. Et en plus de ça, on imagine ce que doivent être ces repères dans une forêt tropicale. C'est par les odeurs, les bruits, etc. Ce qu'on appelle l'intelligence naturaliste, qu'on a beaucoup négligé dans notre éducation. Alors nous autres, les évolutionnistes, nous jouons sur les deux. Charles Darwin était un type assez génial d'ailleurs, parce qu'il savait jouer sur ce qu'on sait très bien faire, les méthodes logiques, logico-mathématiques. Alors ça, on est vraiment dressé à l'école pour ces méthodologies. Et les ingénieurs, les physiciens, les chimistes, et évidemment, c'est des sources de connaissances absolument étonnantes. Et puis, il y a cette autre partie, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Bah, c'est ce qui m'a troublé, d'ailleurs. Dès qu'on regarde des ouvrages sur l'intelligence artificielle et son histoire, ses origines, il y a deux noms qui reviennent, qui sont Alan Turing, qui avait donc l'article de 1950, et puis ensuite, deux autres noms, qui sont Marvin Minsky et M. McCarthy, avec la fameuse conférence de 1956. Et là, l'idée était donc d'imiter ce que l'on croyait être, et qui est quand même encore en partie, l'intelligence humaine. Et par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que déjà en 1943, deux chercheurs, dont un qui avait travaillé avec Piaget, McCulloch et Pitts, avaient déjà créé par bio-inspiration les neurones artificiels. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'éclater, ce qu'on appelle la nouvelle intelligence artificielle, mais ce qui est fou d'une certaine manière, parce qu'elle a commencé avant celle qu'on appelle classique, c'était celle qui est bio-inspirée. Alors j'y pense parce que notre histoire de phéromone, cher Joël, elle est rigolote parce que récemment, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là. Je dis, vous savez, le système de rétro-programmation de gradient d'erreur. Le terme est barbare, mais c'est tout simple. C'est-à-dire, on fait un passage d'analyse avec des algorithmes. On attend un résultat et puis on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes et on revient en arrière. Et là, c'est intéressant parce que c'est la question de la mémoire des réseaux. La question de la mémoire des réseaux se pose en intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un des aspects d'ailleurs qui était soulevé dans le rapport Villani. C'est absolument fascinant. Et j'avais lâché dans cette conférence, en gros, la rétroprogrammation de gradient d'erreur, c'est l'histoire des fourmis qui déposent des phéromones. Et là, il y avait un spécialiste d'intelligence artificielle. Et oui, mais ça ne vient pas de là. Oui, je suis d'accord avec toi. Cette histoire de rétroprogrammation n'a pas été inspirée du déplacement des fourmis. Mais l'algorithme des fourmis est exactement le même. Il dit, là, on fait en intelligence artificielle là, avec des phéromones numériques. Et on fait des phéromones numériques. Et on parlait d'intelligence collective. Aujourd'hui, un des grands enjeux, notamment pour les voitures autonomes, ça va être, et ça existe déjà, ce qu'on appelle les algorithmes en essaim. C'est-à-dire comment des bancs de poissons, ou des vols d'avions, ou des étourneaux. Avec des... Comment il a trois critères, l'étourneau. Ouais, il a la vitesse globale du groupe, exact. Il a la distance avec l'étourneau côté, ouais. Et il a la direction. Exact. Vitesse, direction, c'est tout. Trois éléments, on fait par les étudiants fascinant. Simuler un vol d'étourneau numérique. Ouais. Et donc, on voit bien que là, on tombe sur des questions de mémoire au sein des groupes qui leur permettent de faire des choses qui sont quand même
extrêmement complexe à réaliser d'un point de vue, j'allais dire, artificiel. Et ce qui est fantastique dans le fonctionnement d'Internet, dans la mémoire d'Internet, c'est l'hyperlien. Exactement. Finalement, l'hyperlien qui vient de HyperCard d'Apple, ouais. Cet hyperlien permet de cliquer dessus et d'aller ailleurs. Mmh. C'est donc un déplacement dynamique dans le temps et dans l'espace, ouais, que crée la notion d'hyperlien. Et notre société se sont fondées sur l'élément et la force. Alors que maintenant, ce qui est en train de complémenter l'élément et la force, c'est le lien et le flux. De plus en plus, on entend parler du lien, le lien social, le lien humain, le lien Internet, c'est cliquer là, se retrouver là. Donc, et l'élément et la force, c'est à la base de la construction de nos sociétés de nature physique. Le lien et le flux sont la nouvelle dynamique du changement dans la société moderne. Le lien et le flux remplacent, complémentent l'élément et la force. Et la dynamique du changement, elle est là. Et c'est là que c'est fascinant de voir comment les problématiques de l'intelligence artificielle nous amènent à coévoluer aussi dans nos concepts, dans la biologie évolutionniste et vice-versa. Donc je crois qu'on a été souligné récemment l'importance des neurosciences, parce que, soyons clairs, la capacité d'analyser des données massives avec les algorithmes actuels, surtout comme aujourd'hui, bon, tu as fait un livre sur l'épigénétique, mais soyons clairs, les données de plus en plus qu'on a sur le génome, sur l'épigénétique, ça commence, puis c'est assez complexe. Mais également ce qu'on appelle le microbiote ou microbiome. Aujourd'hui, on peut s'attendre à des avancées extraordinaires sur la connaissance de nos organismes, parce qu'on n'avait pas la capacité auparavant d'analyser de tels ensembles de données. Le métagénome est fait à la fois des 100 000 milliards de microbes, exactement, qui vivent dans notre corps, voir l'exposition microbiote qui vient d'ouvrir à la Cité des Sciences, exact, hier. Ouais. 100 000 milliards de microbes avec leurs gènes, et nos 30 000 gènes avec 3 milliards de lettres du code génétique. On n'a que 23 000 gènes, ça y est, du tout. Mais par rapport à eux, on est ridicule. Ouais, exact. Mais en fait, le tout constitue un métagénome. Et on commence à le décrypter et voir l'interdépendance de ces microbes avec notre cerveau, avec notre capacité même de concevoir comment nous nous organisons. La prise de décision, elle est liée au bien-être qu'on a dans une prise de décision, au plaisir, ouais, qu'on génère. Et c'est entièrement lié à la fois aux neurones qu'on a dans notre intestin, ouais, et à ce microbiote qui vit en nous. Donc il faut qu'on comprenne de plus en plus qu'on est des écosystèmes, voilà, dynamiques, pas seulement un être vivant fait de 6 000 milliards de cellules, mais un écosystème dynamique en relation permanente ouverte, comme le disent les thermodynamiciens, exactement, avec son environnement, et en plus avec l'environnement interne qui grandit et qui pousse à l'intérieur de nous. Mais se rendez compte ce que ça change, ce que ça amène à faire évoluer dans les théories de l'évolution. Avant, évolution, on disait, le mot que tu as prononcé, c'était la diffusion des gènes. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un individu va se reproduire avec ses gènes, son épigénétique et ce microbiote. Alors, je ne vais pas vous faire le coup, mais vous imaginez pas un baiser sur la bouche, le nombre d'informations qui passent sur la possibilité d'être compatible ou pas inconsciemment pour se reproduire. Et c'est vrai, vous avez raison, on passe d'un monde des lois déterministes, oui, de la physique, de la chimie, à un monde des possibles et des probabilités. Exactement, on est vraiment là-dessus. Et d'une certaine manière, c'est un peu de notre faute. Tant mieux. Les paléoanthropologues. Quand il y a 2 millions d'années, apparaissent le feu, la cuisson, le développement du cerveau et de nouvelles capacités cognitives. Donc déjà, on le savait, mais on n'avait pas fait le lien que l'alimentation, l'énergie, la vie sociale, tout ça était complètement lié à nos capacités cognitives depuis les origines. De nous adapter et de transmettre à nos enfants et nos petits-enfants, l'épigénétique le démontre. Donc rétroactivement, on voit que le passé renforce effectivement les connaissances actuelles. C'est un peu le but de notre débat ce soir. Mais on est dans un monde aujourd'hui des flux des informations. Et il est vrai que le modèle génétique était très déterministe pendant longtemps, mais après tout, c'était une connaissance qu'on avait à l'époque. Le dogme du DNA, l'information va de l'ADN vers l'ARN et l'ARN vers les protéines, mais elle ne remonte pas. Alors que Temin a démontré, et Mono a dit, mais c'est un scandale, je me rappelle, j'étais dans son bureau quand il a dit oui, ça, oui. Le type qui a eu le prix Nobel pour démontrer la reverse transcriptase, ouais, l'enzyme qui permettait de recopier de l'ARN en ADN, Mono était scandalisé. C'était contre le dogme, comme tu le dis, de la biologie moléculaire. L'information ne descend que de l'ADN vers les protéines, mais elle ne remonte jamais. Ouais. Alors, maintenant, on sait qu'elle remonte. Et là, c'est intéressant, c'est qu'on voit que même en écologie... Non, mais on a encore 2 questions que j'aimerais aborder pour la fin, rapide, parce que comme on parle de mémoire, évidemment, on peut difficilement parler de mémoire sans parler de mémoire de l'histoire.
Alors, ce n'est pas le sujet principal, mais je pense que c'est important. On a parlé de traces, les humains laissent des traces, ils ont une mémoire collective. Donc, comment on peut avoir une vision et bâtir un nouvel humanisme si on a perdu la mémoire et on se monte un peu chaotique, on a tendance à un peu réécrire l'histoire et perdre la mémoire de l'histoire. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? À mon avis, il y a les deux. Il y a la perte de la mémoire de l'histoire, il y a l'oubli volontaire de certains éléments. C'est pour ça qu'il ne faut jamais oublier des catastrophes du passé pour éviter de les refaire. Donc c'est pourquoi il est important d'enseigner aux enfants dans l'histoire, pas seulement les dates, mais les grandes tendances qui ont conduit des peuples à des génocides, qui ont conduit des peuples à des destructions d'autres peuples. C'est ça la mémoire de l'histoire qu'on doit entretenir. Parce que finalement, la démocratie, ce n'est pas un état donné, c'est un état dynamique qui oscille en permanence entre le totalitarisme et l'anarchie. Entre le totalitarisme et l'anarchie, comme un triangle, tu as le totalitarisme d'un côté, l'anarchie de l'autre, et à la pointe du triangle, tu as la démocratie, mais qui est en équilibre sur cette pointe du triangle. Elle peut basculer d'un côté ou de l'autre, et ça dépend que de nous. D'où l'importance de l'histoire, et surtout l'importance de ne pas oublier. Je disais tout à l'heure que l'oubli est nécessaire pour la mémoire, sinon on encombrerait notre mémoire. Mais dans la mémoire historique, il ne faut surtout pas oublier ce qui s'est passé, comment l'homme a fait du mal aux autres dans l'inquisition, dans les idéologies totalitaires ou dans les génocides. Il est vrai que nous passons, là ça va être un petit coup de griffe à la psychanalyse, mais la psychanalyse est fondée évidemment sur la construction de l'individu, sa mémoire, les choses refoulées ou pas. Ça va continuer. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que tout ça va s'inscrire dans un tissu de mémoire plus ou moins partagé au sein des écosystèmes. La coévolution que j'évoquais, c'est comment des espèces en fait, ont tissé des liens d'interdépendance qui, s'ils sont brisés, font que l'écosystème est endommagé. Donc là, c'est important parce que quand on parle de biodiversité et de préservation des espèces, une espèce qui disparaît, c'est déjà embêtant. Mais c'est quand même des tissus de mémoire, de coévolution qui remontent à des millions d'années qui font que l'écosystème ne peut pas s'en remettre. Mais aujourd'hui, effectivement, on voit le succès de certains livres. C'est pas inintéressant de constater qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gros bouquins qui reprennent l'histoire d'une partie de l'humanité. Jamie Rifkin, Harari, même sur l'économie. C'est très intéressant. Thinker. Exactement. On est sur une période qui essaye de rechercher ces fondements historiques pour comprendre le changement qui se passe. Et avec des exercices de déconstruction, parce que l'histoire est aussi une construction. Il y a des faits historiques. Mais l'histoire telle que l'a inventée Michelet correspondait à l'idée de progrès linéaire cumulatif ou d'évolution. Aujourd'hui, c'est à l'échelle planétaire, il n'y a pas qu'un seul modèle, on se cherche. Donc même le travail sur l'histoire, c'est des boucles rétroactives qui recherchent, non pas des légitimités, mais à part commettre les erreurs, à voir quels sont les biais par rapport à ça. Et puis surtout aujourd'hui, c'est ça qui est passionnant, c'est que cette connectivité que nous avons, et qui est absolument unique dans l'histoire de l'humanité, et là, c'est à l'échelle mondiale, fait que, sans perdre ce qui a été notre mémoire jusqu'à aujourd'hui au niveau de l'individu, nous, ce que nous sommes, avec ces processus coévolutifs, nous montre bien que nous sommes dans des systèmes d'interindépendance qui font que, d'ailleurs, c'était employé récemment dans une conférence qui était organisée avec des spécialistes des gens qui réfléchissent sur la nature artificielle. Le philosophe disait aujourd'hui, les jeunes sont, enfin, une partie des jeunes générations, égo-systémiques. Alors, regardez les psychanalystes, c'était l'égo-soi, de soi, c'était le moi, le sur-moi, etc. C'est Spédès, exactement, qui a dit ça. Et Doug, il parle égo-systémique, c'est-à-dire qu'on ne va pas perdre cette mémoire, à laquelle, mais on n'avait que constitué celle-ci. Et aujourd'hui, elle va devoir tenir compte, effectivement, de ces interactions, de ces distributions sur la construction donc, des individus dans ces tissus interrelationnels. Voilà, un tissu interrelationnel, c'est l'entreprise. Exactement. Et quand tu parles des pertes de mémoire, je pense aux retraités. Les gens qui ont une expérience. L'expérience, c'est de la mémoire. L'expérience de tout ce qu'ils ont vécu pendant 30 ou 40 ans ou 50 ans dans l'entreprise. Je trouve qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on jette souvent les retraités en les oubliant souvent, mais leur expérience acquise pourrait être bénéfique à tous les autres. C'est pourquoi moi, je parle d'un thème un peu compliqué que j'appelle la coéducation transgénérationnelle. C'est-à-dire que la coéducation des uns par les autres, les plus jeunes vers les seniors pour les aider à utiliser tous les outils modernes du numérique notamment, mais des seniors vers les plus jeunes pour les aider à contextualiser grâce à leur expérience toute cette information qui coule comme un flux continu dans des données économiques, sociales, politiques, spirituelles, voire philosophiques. Je pense que les retraités, c'est une perte de mémoire si on ne les utilise pas dans l'entreprise pour faire bénéficier les autres de leur expérience. Alors, sur la retraite, je vais être très clair, c'est une aberration.
Pourquoi Tu la pratiqueras pas et moi non plus. Non, elle a répondu à des enjeux de société à une époque donnée. On est bien d'accord. Mais toi-même, tu as commis un livre avec deux autres personnes que j'admire aussi, qui s'appelle La longévité, pourquoi faire et une vie en plus. Et une vie en plus avec Jean-Louis Servan-Schreiber et François de Closet. Et ça, personne n'avait envisagé ce changement. Et là, nous sommes dans un changement anthropologique majeur. Parce que dans toutes les sociétés, et même les entreprises, malheureusement, l'idée était que les jeunes allaient se conformer aux règles des seniors. Donc, tu vas apprendre. Alors, sur l'apprentissage, c'était un problème. Parce que... Et là, aujourd'hui, il y a une autre intelligence qui se met en place intergénérationnelle, parce qu'on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'évolution. L'intelligence collaborative. C'est cinq générations qui vivent ensemble, qui ont été impactées par des environnements numériques différents. Et là, c'est ce qu'on appelle, pardon pour le terme, le reverse coaching, en tout cas, l'enseignement transgénérationnel. Mais il faut ajouter qu'il est dans les deux sens. Parce que les jeunes sont intelligents pour comprendre que leurs aînés ont de l'expérience et que les aînés ont aussi la capacité d'apprendre. Là aussi, c'était une aberration. Alors, Piaget n'y est pour rien, mais en tout cas, c'était un petit peu l'idée. L'idée, c'est que tel âge, on apprend telle chose, puis passé tel âge, on n'est plus capable d'apprendre. Ça, il va falloir qu'on arrête avec ce genre de bêtises. Nous sommes des espèces K, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent apprendre tout au long des âges de la vie. Sauf qu'on n'apprend pas à 20 ans, comme on apprend à 50 ans ou 60 ans. Et c'est pour cette raison qu'on le sait aujourd'hui, c'est une question de santé publique pour bien vieillir en bonne santé, pour les individus et l'ensemble de la société, c'est de continuer à être actif. Et un jour, je me rappelle une réflexion sur France Inter de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un ami que j'apprécie beaucoup, c'est Jean-Paul Delevoye. On lui disait, mais attendez, tout de même, vous avez plus de 70 ans, vous continuez à être actif. Il dit, oui, j'ai cotisé. Mais maintenant, il dit, je continue à être actif, à être utile pour la société. Si quelqu'un est meilleur que moi pour prendre mon job, je ne vois aucun problème. Pour l'instant, c'est moi. Et je cotise pour rien. Donc, je participe à la richesse et en plus, je redistribue. Et cet homme, quand même, a une belle santé physique et intellectuelle et j'aime beaucoup, là, c'est très personnel, sa pensée. Ça montre bien qu'aujourd'hui, les rôles de la jeunesse, les rôles des grands aînés, les rôles des seniors sont complémentaires. Ils sont en train de changer complètement. C'est ce que je disais pour la coéducation transgénérationnelle. Exactement. Et les jeunes dont tu parles, ils nous apprennent une chose fondamentale, c'est qu'on est en train de passer, c'est eux qui le disent, de la société de l'information à la société de la recommandation. Exactement. Parce que la société de l'information, elle est tellement pléthorique qu'on n'y arrive plus, avec notre pauvre cerveau, peut-être avec l'intelligence artificielle ou auxiliaire. Mais la société de la recommandation, c'est ce qu'ils passent leur temps à se faire. Et ça rend plus pertinent le big data. Parce que si tu n'as pas ces recommandations, tu ne sais plus où aller. Mais ils te disent, il y a 5 étoiles sur ce bouquin, il faut l'acheter. Il y a 5 étoiles sur cette pièce, il faut aller la voir. Donc la société de la recommandation traite en partie le big data pour nous permettre de le rendre pertinent. Et ça, c'est grâce à eux. C'est absolument grâce à eux. Et puis surtout, leur capacité, le transfert des connaissances ou des expériences était quand même descendant. Aujourd'hui, ils ont acquis eux-mêmes. Alors, c'est ça. Ils en savent plus qu'un ingénieur de 25 ans dans un domaine précis. Hein. Exactement. Alors moi, c'est ce qui m'amuse, c'est que quand même ces jeunes, sauf ceux qui sont formés déjà dans l'intelligence artificielle, etc., tout de même, c'est pas souligné. Ils arrivent avec des compétences dans l'usage des appareils connectés qu'ils n'ont pas appris de leurs parents, qu'ils n'ont pas appris à l'école. Et qu'ils n'ont pas appris dans la notice. Exactement. Ils l'apprennent voilà. Tout de suite. On voit la Cité des Sciences devant un appareillage compliqué. Les parents disent, attends, il faut lire la notice. Ils disent, non, attends, regardez, appuie là. On va devoir terminer, je suis désolée. Je vois que vous êtes complètement partis, là. Je suis obligée quand même d'intervenir. Alors, j'ai un petit message de Mathieu Baudin, que vous connaissez bien. On était hier soir avec lui. C'est notre historien, prospectiviste, historien du futur, poète préféré au Forum Changer d'air. Et donc, il m'a laissé une petite question pour vous. Alors, il faut vraiment répondre rapidement, parce qu'on arrive au terme. Il se projette toujours dans l'avenir. Donc, sa question était, il voulait être là, il ne pouvait pas. Il s'est cassé un peu le pied. Que pensez-vous que des historiens robots, probablement robots, retiendront de cette époque? Ah, ça passe. Ça c'est les merci collègues. Mathieu. Quand la question est embêtante, il vous la refile. Joël voudrait avoir le mot il est très clair qu'aujourd'hui, avec toutes ces avancées, la robotique, parce que ça, c'est le troisième aspect de la robotique, hein, celle de logico-déductive, celle sur les statistiques qu'on appelle l'apprentissage machine, et celle qui va éclater, celle du rapport au corps et à l'apprentissage. Donc ces robots vont avancer très très vite, ça va être assez... On parle d'explosion cambrienne, c'est-à-dire l'explosion des formes d'intelligence artificielle et de robotique. Le cambrien est une période où toutes les formes de vie que l'on connaît aujourd'hui qui ont changé, mais leurs structures fondamentales sont apparues. Donc on est en train de vivre ça, et ce que je trouve passionnant, c'est que très certainement, ils seront capables, ces robots, de trouver des articulations
sur les causes de l'évolution de l'histoire de la société, de revoir une partie de l'histoire qu'on a négligée, qui ne vont pas remplacer les historiens, mais comme ça se fait déjà aujourd'hui, proposer des interprétations, des éléments d'analyse historique auxquels, justement, les historiens n'auraient pas pensé ou n'ont pas la capacité d'accepter pour certaines formes de limitation de nos mémoires. Donc je pense que l'histoire est promise, comme l'évolution, un merveilleux avenir. Alors ces robots historiens, en regardant ce que nous faisons avec du recul de 200 ou 300 ans, ils diraient que ces gens n'ont rien compris au changement dynamique, c'est-à-dire à la manière de surfer la vie plutôt que de l'analyser en petites catégories séparées les unes des autres de manière analytique et de passer leur temps à les comparer, à les critiquer. Par exemple, dans les énergies renouvelables, quand on pense en termes de filières, on dit telle filière est meilleure que telle autre. Mais si on pense à l'intercombinaison de toutes les énergies renouvelables en une énergie renouvelable, faite des alternatives et faite des ressources permanentes, on voit que c'est un tout systémique qu'il faut regarder comme un tout systémique. Donc ces robots historiens, regardant notre époque, diront ces gens n'ont rien compris à la vision systémique du futur, ils n'ont rien compris à la dynamique du changement, c'est pas des serveurs, ce ne sont pas des surfeurs, ce sont des cartésiens. Ouais. On va terminer là-dessus. Merci Mathieu, je n'ai pas dit, c'est le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'aime beaucoup sa petite phrase qui est « le meilleur est à venir dans le même mot ». Merci à tous les deux et je te repasse la parole, Éloi. Merci Véronique et merci beaucoup messieurs. On se laisse vraiment porter et l'émission aurait pu durer beaucoup plus longtemps évidemment. Vous retrouverez l'émission en replay très très rapidement sur le site du Forum Changer d'Air, sur toutes les playlists comme vous en avez pris l'habitude. Vous prenez comme d'habitude également en fin d'émission votre cahier de texte parce que vous devez noter les prochains rendez-vous le mardi 29 janvier 2019. C'est un prochain débat empathique entre Joël de Ronet et le philosophe Vincent Céspedes. Notre prochain Forum Changer d'Air, la 7e édition, 7 ans, l'âge de raison, c'est le 12 juin prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ça, bien sûr, vous l'aurez bien noté. Vous nous suivez évidemment sur Twitter, sur Facebook, sur le site, partout. Merci beaucoup au Cube de recevoir cette émission. Merci à au soutien de cette émission, CCGD². Merci beaucoup, merci à vous et puis à tout de suite sur les réseaux.